Ces femmes, portant sur leur tête des paniers remplis de maïs, se dirigent vers le magasin de stockage du village de Magalili, situé dans la ville de Tchévié, au nord de Lomé, la capitale togolaise. Grâce à ce magasin, elles ont désormais un endroit où stocker leurs récoltes durant toute l'année. Quand nous n'avions pas de magasin de stockage, nous étions vraiment pauvres et malheureuses, car nos récoltes pourrissaient entre nos mains. Il était impossible pour nous d'avoir une quelconque valeur ajoutée sur nos produits. Aujourd'hui, avec les magasins de stockage, nous conservons nos récoltes dans de bonnes conditions et nous les revendons au marché. Nous avons des revenus qui nous permettent de vivre convenablement et d'envoyer nos enfants à l'école. Ces magasins de stockage, qui peuvent contenir jusqu'à 250 000 tonnes de céréales, leur permettent également de conserver des aliments afin de prévenir les périodes de soudure et d'assurer ainsi la sécurité alimentaire dans un pays où près de 30% de la population n'a pas un accès adéquat aux aliments de base. Avant que nous stocke le maïs que nous produisons ici, là, il y a un peu quelques difficultés. Avant que l'on ne construise ces magasins de stockage dans notre village, on avait beaucoup de problèmes. Par exemple, il arrivait que les rongeurs mangent nos récoltes ou que nous ne puissions pas conserver nos aliments durant de longues périodes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, car les magasins de stockage sont aérés et spacieux. Quand le mois est venu construire ce magasin, ça, c'est bien aéré, le magasin est bien aéré. Ici, nous pouvons stocker 200 tonnes de maïs et dans celui d'à côté, 10 tonnes, ce qui fait un total de 210 tonnes que nous pouvons stocker dans ces magasins. Donc au total, ça fait 210 tonnes de maïs, que nous stockons dans ce magasin. Auparavant, les gens vendaient. Cela veut dire que tout le monde se retrouvait au marché au même moment avec les mêmes produits. Ce qui rabaissait, ce qui faisait que le prix devenait très 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 moins cher. Maintenant, avec le magasin de stockage, on étudie le marché. Si le produit n'est pas sur le marché, on déverse le produit sur le marché. Ça a fait que ça a donné la valeur ajoutée au produit. Ça a fait que les femmes peuvent maintenant vivre de leurs activités. Ça fait que les gens peuvent s'intéresser à l'agriculture. Les magasins de stockage sont une initiative de la commission de l'UEMOA au Togo. Ils ont été financés à hauteur de 200 millions de francs CFA. L'objectif global est d'aider les communautés rurales à améliorer leur système de commercialisation et de sécurité alimentaire grâce à l'exploitation d'infrastructures de stockage et d'équipements de récolte agricole adaptés à leurs besoins. Le Togo en compte une dizaine. Nous sommes en train de construire encore une fois, parce qu'il y a une première phase de construction des magasins de stockage, une deuxième phase de 66 magasins de stockage et de conservation. Et c'est l'implantation de ces magasins de stockage et pour nous, ça a été un peu, je n'ose pas dire difficile, mais ça nous a demandé d'être cohérents. Parce que je veux parler par exemple des magasins de 350 tonnes, qui sont des magasins pour la production. Donc ces magasins ne doivent pas être très éloignés des zones d'aménagement hydro-agricole. Et l'autre magasin le plus important, c'est le magasin pour la sécurité alimentaire, disons de 3000 tonnes. Donc là, nous en avons 6. Donc, dans chaque région. L'UEMOA a également réalisé au Togo des lampadaires solaires. C'est le cas dans le village de Djemini, situé dans la région de Ao, à 100 km au nord de Lomé. Ici, les lampadaires s'allument dès 18h30, ce qui permet aux populations locales de mener leurs activités au-delà de certaines heures en toute sécurité. Akpamado Nami. Avant l'installation des lampadaires solaires dans notre village, la vie s'arrêtait à 18h. La nuit tombait et nous n'avions plus le courage de sortir. Les enfants avaient des problèmes pour étudier, comme il se doit,
car il n'y avait pas de lampe pour les éclairer. Aujourd'hui, tout cela appartient au passé. Nous sortons jusqu'à n'importe quelle heure. Nous n'avons plus peur et les voleurs ne rôdent plus dans les parages. À cela s'ajoute le fait que quand la nuit tombe, certaines femmes s'installent sous les lampadaires et mènent quelques activités leur permettant d'avoir des revenus. La lumière change totalement la vie et nous sommes très contents. On payait du pétrole avant que les enfants n'apprennent. Et souvent, les pétroles tombent dans les sauces que nous préparons aussi. Quand tu prends de la lampe pour préparer, et tu ne sais pas, le pétrole va tomber, va verser dans la nourriture. Ça nous donne des maladies, tout ça. Mais maintenant, les enfants, après avoir fini de manger, ils apprennent facilement, sans avoir mal aux yeux. Parce que la lampe à tempête, ça nous donne des maladies des yeux aussi. Maintenant, on apprend facilement. Les enfants réussissent bien avec la lumière que vous nous avez fait maintenant. L'installation des lampadaires solaires dans les zones reculées du Togo rentre dans le cadre du PRODER, le Programme Régional de Développement des Énergies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique. À cet effet, 22 villages ont été identifiés au Togo pour leur électrification entièrement à l'énergie solaire. Ces villages bénéficient de l'éclairage des voies publiques, de la fourniture et la mise en service de kits solaires au sein des ménages et des points d'adduction d'eau potable. Nous avons pensé aux populations rurales. Donc c'est une électrification rurale qui a non seulement qui donne de la lumière aux populations rurales, mais également aussi qui contribue à la production aussi de ces villes. De ces villages et de ces villes, et à travers aussi, puisqu'il y a eu un volet, notamment pour le Togo, hein, il y a eu la fourniture aussi de l'eau dans le cadre de ce projet. Quand vous êtes venu nous faire ce forage ici, et on puise vite l'eau. Et aussi, on évite toutes les maladies qu'on rencontrait avant, quand on puisait l'eau là-bas. Il n'y a plus de verre, il n'y a pas de maladie de la peau, tout ça. Là. Et on boit de l'eau potable, quoi. L'UEMOA a également mis en œuvre au Togo un programme d'appui à la structuration de la filière riz. La région de Kovi, située à une quarantaine de kilomètres de Lomé, fait partie de ceux qui en ont bénéficié. Dans le cadre de sa mise en œuvre, les agriculteurs de la zone ont désormais des machines qui leur permettent de décortiquer 2 tonnes de riz padi par jour. On ne fait plus les déplacements. Après avoir séché le riz, on décortique ça en même temps ici. Donc ça nous diminue aussi le temps. Le temps d'amener le riz là à Covier de 7 km ici, oui, on gagne le temps. Et aussi les dépenses. On nous déplace un sac de riz padi ici. D'ici à Covier, ça fait 1000 francs. Maintenant, il n'y a plus ça. On fait ça ici en même temps. L'éducation est également un des secteurs appuyés par la commission de l'UEMOA au Togo. À travers la mise en œuvre du PAES, le programme d'appui à l'enseignement supérieur, et du PATIS, le programme d'appui au développement d'éthique. Ces programmes ont permis aux universités, professeurs, chercheurs et étudiants du Togo d'accéder facilement au savoir et de produire régulièrement des revues scientifiques. Nous avons 2 projets principaux. Il y a le projet PAES et le projet PATIS. Et actuellement, dans le déploiement de ces 2 projets, et nous avons 10 salles de 20 ordinateurs qui sont équipés et pour appuyer l'enseignement. Dans ce projet, nous avions eu une connexion de 10 mégas qui sont déployés dans les salles PATIS, appuyant ainsi la recherche et les travaux des étudiants, les revues en ligne et leur utilisation. Dans les salles PATIS, nous utilisons aussi ces salles pour les enseignements en informatique comme la programmation, la recherche documentaire ou autre pour appuyer les étudiants. Actuellement, sur le serveur PAES, nous avons déployé le système modèle qui constitue un processus de scénarisation pour la mise en ligne des cours. Et cette plateforme est utilisée maintenant pour pouvoir scénariser les cours
afin d'appuyer les enseignants dans l'utilisation ou bien dans l'assimilation de leurs cours. Ce projet a permis aux enseignants d'améliorer la préparation d'abord de leurs leçons et le style d'enseignement. Et puis la majorité des enseignants qui ont suivi cette formation font partie dans nos établissements des commissions qu'on appelle des commissions pédagogiques, qui entre autres, et mission de ces commissions, forment les enseignants, les jeunes enseignants et puis les moins jeunes enseignants, notamment les jeunes doctorants qui sont recrutés. Ils sont formés à la pédagogie universitaire, à l'enseignement, dont la majorité des membres de ces commissions ont bénéficié des enseignements de l'UMOA. C'est dit que lorsqu'un enseignant est recruté, il est un doctorant spécialisé dans un domaine, il n'est pas forcément spécialisé pour l'enseigner. Il est compétent dans sa discipline, mais pas forcément compétent pour transmettre le savoir. Donc ces commissions pédagogiques se chargent de les former. Et puis au niveau, dans certains établissements, la promotion des enseignants passe par l'agrégation du CAMES. Et entre autres épreuves de l'agrégation, il y a une épreuve qu'on appelle l'épreuve de leçon, qui doit être conçue et présentée d'une certaine façon. Et nous avons beaucoup de nos lauréats, qui ont d'ailleurs bien réussi, qui ont bénéficié de ces formations au niveau des commissions pédagogiques, soit de façon directe. Certains ont participé à ce programme, d'autres de façon indirecte, par l'intermédiaire de ceux qui ont participé à ce programme et qui sont membres de ces commissions dans les établissements. Et au niveau des institutions, et ça a aussi permis d'améliorer la conception des offres de formation, notamment en les adaptant au contexte d'enseignement et aussi aux besoins du marché. 34 projets sont mis en œuvre au Togo par la commission de l'UEMOA. L'objectif est de soutenir la croissance économique par la mise en œuvre des projets structurants et intégrateurs dans le pays. Ces derniers concernent entre autres les infrastructures routières, hydrauliques, agricoles, les unités industrielles, en passant par les infrastructures sanitaires, éducatives et énergétiques.